On ne fait jamais de la musique pour gagner des concours non plus, en tout cas ce n'est pas mon cas, mais on essaye de briller. Et puis moi j'ai vu ça depuis longtemps, comme je l'avais dit il y a quelques jours, en tant qu'enfant, venir ici voir les concours, ça m'impressionnait beaucoup de voir les solistes incroyables. Et donc on se prend à rêver d'être un jour à leur place. Donc c'est vrai que j'ai travaillé pas dans cet objectif-là uniquement, mais c'est un achèvement qui fait très plaisir. This competition, I think, it's so big. The biggest, I think, competition of classic saxophone in the world. So it's very important for us to make it, to play it. It's every 4 years. It's my first competition, so it's very important. I'm in final. I'm very happy. Donc le fait d'être finaliste en fait du concours d'Alpha Sax, bon, j'imagine que ça apporte des ouvertures pour la suite et notamment sur l'étranger en fait au niveau carrière en fait tout simplement. Et puis bon, c'est avant tout un beau challenge en fait de se mesurer à 150 candidats en fait. Voilà, donc c'est un beau dépassement de soi. C'est tout d'abord une rencontre, un grand rencontre de saxophonistes qui viennent du monde entier, qu'on a pu rencontrer déjà avant, par-ci, par-là, et qui viennent, dont il y a beaucoup qui viennent ici. Et puis c'est le concours vraiment le plus connu du saxophone. Ça permet de travailler un répertoire, un grand répertoire très intéressant, de jouer devant des personnalités très prestigieuses du monde du saxophone, et puis aussi de rencontrer des gens de même âge et du même niveau. Of course, I think it's important for every candidate. It's really the biggest saxophone competition around the globe for the moment. So it's really a great honor to be here. Et qu'est-ce que vous aimez de la composition de l'Imposé ? Alors je pense que c'est une œuvre très expressive, ça c'est le point fort en fait, parce qu'on peut vraiment libérer tout ce qu'on a dans le ventre et puis jouer vraiment, vraiment du fond du cœur. Ça, je crois que c'est la chose principale qui ressort. Après, il y a aussi des petits passages techniques assez compliqués. On essaye de passer outre, mais le plus détendu possible. J'espère que ça se passera bien en tout cas. J'ai quelques heures pour voir ça tranquillement. Mais non, mais ce qui me plaît, c'est en tout cas les grands élans, les grandes phrases lyriques.
Oh, it's very good. I really like it. It's really sweet and well written. And I think it's written well not only for the professional public and audience, but also for the amateur one. The both might like it because it's really it sounds really good. So the amateur people should like it very very much, and it's very virtuoso written. With lots of complex textures inside, so for professional audience as well. Ja, het is, ik vind het heel tof. Ik vind het tof gekozen. Ik ben heel blij dat er ook een man uit het harmonie fanfare milieu dit schrijft. Bijvoorbeeld, het fanfare orkest is typisch iets Nederlands-Belgisch. Alleen bestaande uit instrumenten die Adolf Sax gecreëerd heeft. En dat is zo bijzonder dat zo'n man een plichtwerk mag schrijven voor kamerorkest en saxofoon. En ik vind het eigenlijk zeer geslaagd. Ik ben ervan overtuigd dat het stuk nog gespeeld gaat worden. En dat kan niet altijd gezegd worden van een plichtwerk op een concours. André Wénien, bah écoutez, c'est... je connaissais un petit peu en fait, le compositeur, parce qu'il écrit beaucoup pour orchestre avant. Et, bah, c'est une pièce vivante, assez légère, donc assez festive. Donc je trouve que ça convient très bien pour une finale de concours, puisqu'on est dans la fête. Hein, là. Bon, pourquoi pas essayer aussi de changer pour les autres années, alterner aussi, pourquoi pas, des pièces de musique nouvelles, un petit peu plus contemporaine en fait, au niveau du langage, pourquoi pas également. C'est juste une suggestion. Hein. Mais en tout cas, bon, c'est très festif et donc c'est très plaisant. De muzikaliteit van de verschillende kandidaten is natuurlijk heel verschillend. Ook de stijl. Je hoort mensen die duidelijk Frans geïnspireerd zijn. Je hebt een aantal Russen in die finale. Er is één Fin, een Belgische kandidaat, een Sloveense kandidaat. En die hebben elk hun eigen stijl. Ook onderling zelfs nog. De twee Russen hebben gekozen voor Glazunov. En zij spelen een stuk volledig verschillend. Maar de stijl is wel hetzelfde, maar de interpretatie verschillend. En wat mij het meeste treft, is hun authenticiteit. En daar ben ik heel blij mee. In deze tijd waar alles zo een beetje hetzelfde klinkt, een beetje mengelmoes van alles en de authenticiteit is weg, is dat echt heel, heel tof om waar te nemen. Monsieur, vous avez choisi la ballade de Franck Martin, oui. Et pourquoi ?
Simplement parce que j'avais envie de la jouer avec orchestre. Hein. Depuis que j'ai découvert cette œuvre-là il y a quelques années, je l'ai évidemment jouée avec piano assez souvent pour des concerts, examens, concours. Et puis, au moment de choisir une pièce avec orchestre, c'est vrai que j'avais déjà fait le concerto de Glazounov avec orchestre, ça aurait peut-être pu être plus facile pour moi de le refaire. Mais vraiment, j'avais envie de jouer la musique de la ballade de Franck Martin. Du coup, je ne laissais pas parler l'envie, quoi. J'ai pris ce choix-là sans hésiter. C'est une très belle pièce. C'est une pièce sombre. Ça exprime aussi des choses avec quoi, avec lesquelles je me sens à l'aise. C'est un très très beau concerto. Donc, j'étais très heureux que c'était sur la liste du concours. Voilà. Et puis, ça tombe bien parce que c'est très contrastant avec le concerto de André Vénien, qui est très joyeux. Qui est très très agréable, et puis le Martin qui est plutôt sombre et solennel. J'aime beaucoup cette combinaison. It's like my favorite concerto for saxophone, one of my favorites because I like a lot Russian music, Russian romantic music, music of the beginning of 20th century, and Alexander Glazounov, he's from this epoch, and I like very much this concerto. Thank you.
will play tonight the concerto of Pierre-Max Dubois. Can you tell me why did you choose this concerto? Because I find it as one of great representative works of French school. Also, I am issued of French school, so I thought it might be appropriate to show. D'abord, c'est une pièce, c'était quasiment une des seules pièces dans le choix, au choix, pièce musique française. Et bon, je suis français, donc je défends mon pays. Tout à fait, oui. About the orchestra, it's great. I have to say, secret way, that I was expecting not very good orchestra, because that's usually the issue, you know, for the competitions. So I was really surprised. And yesterday, when we had first rehearsal, I went straight home to practice, because, frankly speaking, I wasn't able to follow. Ah, ils sont formidables. Ils jouent très très bien. Il y a une très bonne ambiance. J'aime beaucoup. Très très bien, très agréable sous la direction d'Ivan Meulemans, vraiment beaucoup de communication, j'aime beaucoup la transparence des couleurs et puis l'écoute qu'ils ont dans leur jeu, donc c'est un grand plaisir de jouer avec eux. On verra ce soir. tout se passe bien, le chef est très attentif et c'est un vrai plaisir en fait. À chaque fois que je joue avec orchestre, c'est un plaisir. Voilà.